Nous sommes de retour sur le camp pour le week-end. Et comme à chaque fois, priorité au café, après ça sera le bricolage. Alors Loulou, elle s'est mise à l'ombre. Hop. Coucou ma louloute. Et puis je m'aperçois que ouais, la mousse a tenu. C'est quand même cool, non? Bon. Ce week-end, je mousse ce mur, je fais le volet de ce mur et je remousse celui-là. Voilà, allez, je vous dis à tout à l'heure. Là, on attend que le café chauffe. Et puis après, on se mettra au bricolage. Le moussage du deuxième mur est fait. Ah, on voit mieux quand... Hop, voilà. Donc ben maintenant, il ne me reste plus qu'à aller chercher de la mousse pour mousser celui-ci. Ouais, je et vous après, ai pas ça fait sera le bon. Petit point météo du jour. Alors attendez, je vais essayer de vous montrer. Voilà, il fait 28, 27. Cet après-midi, bon, c'est 1h30 là. Mais il fait bon. Hein, le ciel est bleu, le soleil est là-haut. Je ne vous le montre pas parce que... Pas la peine, j'avais déjà vu le soleil. Et les chênes commencent à mettre des feuilles. J'adore la couleur du printemps, le vert est magnifique. Voilà, donc comme je vous disais tout à l'heure, j'ai moussé. Ça fait deux murs de moussé. Et là, j'attaque, je vais chercher la mousse ben pour voilà. Attaquer le troisième. Les trois murs sont moussés. Il ne me reste plus qu'à faire les deux volets qui manquent. J'aime bien attaquer tout à l'heure. Enfin voilà, les murs sont moussés. Parlons peu, parlons bien. On va attaquer un peu de cuisine puisque j'ai l'intention de faire du pain pour ce soir et pour le petit déj demain. Du coup, un peu de, ça y est, de levure de boulanger, un petit peu parce que je vais pas faire un gros pain. Hop, dilué dans un peu d'eau tiède. Voilà. Hop. Un peu de farine. Un peu de sel. La levure. Hop. Ah ben, un peu d'eau, on rajoutera au fur et à mesure. Et allez,
De la braise. Pour avoir de la braise, faut du feu. Pour cette fois, je vais pas utiliser de l'écorce de bouleau. Je vais teinter avec du lichen.
c'est chaud. Allumage réussi. Voilà, un petit pain. Il est tout petit, hein. Mais il a gonflé. Bon. Et ben, il y a de la braise. Il n'y a plus qu'à mettre le pain. Hop. Dans ce qui va servir de four. Et mettre le four. Sur la braise, voilà. Je vous montre. Le pain est tout chaud. De la braise dessous, de la braise dessus. Dans plus ou moins une demi-heure, j'ouvre et je regarde. Et voilà les amis, un pain. Même pas encore sorti du four. Je vous dis pas l'odeur. Hein. Je vais me régaler. Bon, maintenant voilà. Je vais vous sortir du four. Bon, attendez. Peut-être vous entendrez. Voyez. Je sens qu'on va se régaler. Allez, on le laisse refroidir. Une petite pluie, histoire de rafraîchir. Non, par contre, maintenant, ça sent bon. J'adore l'odeur de la pluie. Et rafraîchir, ouais. Vous voyez pas? Hop, on va passer entre les feuilles. Bon, hop. Il fait maintenant... Ouais, 15 degrés. Ouais, c'est ça. 15-16 degrés. Ça a rafraîchi un petit peu. Je ne sais pas si vous entendez, mais on est rentré juste à temps. Et le loup, elle n'aime pas se mouiller, alors. Hein? Voilà. Sinon, en passant par-dessous, vous le voyez... Malgré la pluie, il brûle toujours. Ça fait que, hop, mon eau chauffe encore. Je pourrais reboire un café tout à l'heure. Sinon, bah voilà. Il fait bon, il fait vraiment pas froid. Le fait d'avoir moussé les murs, eh bien, c'est assez efficace. À voir si ça tiendra. Ça sent bon sous la pluie. Je ne sais pas si vous l'entendez. Mais en tout cas, ça sent bon. J'adore l'odeur de la pluie. Et comme vous pouvez voir, mon feu, même s'il pleut, il est 21h. Et les bougies sont allumées. Et ce soir, pour pouvoir lire tranquille, j'ai ça. Hop. Ouh, ça brille. Voilà. Et ça, c'est merci Sacha. Et Louloute, elle dort là pour le moment. Mais bon, tout à l'heure, elle montera sur le lit. Hop. Le feu brûle toujours doucement. La soirée se prépare. Apparemment, sous un peu de pluie, il pleut vraiment pas beaucoup. Bien, il est aux alentours d'une heure. Il est temps de faire dodo. Je vous souhaite à tous une très bonne nuit et puis je vous dis à demain. Ciao, ciao. Bonjour. Alors, petit point météo. Le ciel est très gris. Il pleuvait il y a 2 minutes. Et puis il fait. Ce matin, il fait hop, 11 degrés. Alors, pour le petit-déj, ce matin, ça sera café. Elle a du mal à refaire le point. Pain grillé et chocolat. Bon, j'arrête parce qu'elle ne veut pas faire le point. Juste pour vous faire entendre la chaîne du coucou. Et Luna qui comprend pas du tout, mais alors pas du tout, pourquoi quelqu'un lui fait coucou.
comme chaque année, hein, le coucou, c'est frais le chemin, ça le fait pas. Bon, sinon, voilà. C'est un peu gris aujourd'hui, mais il se pourrait que ça se lève dans la journée. Il se pourrait. Une possibilité, c'est déjà pas mal. Bien, le camp est rangé, on va partir, les murs ont tenu le coup, le feu est éteint, Loulou est prête. Alors du coup, on vous dit au revoir, pensez à laisser un petit commentaire, un petit message sympa, ou pas, ça dépend, hein, c'est comme vous voulez, un petit pouce en l'air si ça vous a plu, et puis pourquoi pas vous abonner. Allez, à la prochaine et surtout n'oubliez pas, sortez.